François est issu d'une famille de cheminots. Tout enfant, le train était sa passion. Dieseliste, c'est 10 ans à la SNCF. Attaché à sa ville, à sa gare et à sa ligne, son environnement, aujourd'hui François est un membre actif de l'association des chemins de fer de Vendée. Et ça, c'était la machine que mon père conduisait sur cette ligne. En 1933, mon père roulait sur cette ligne entre Messac et Ploermel. Et il a connu ma mère, qui était garde-barrière, avant d'arriver à Mort de Bretagne. Alors, à la gare de Messac, la gare de Messac, c'était une gare importante. Ah ben oui, c'était une gare importante qui recevait à cette époque-là, moi j'ai connu ça dans les années 50, il recevait 600 tonnes de marchandises par jour, dont une partie était restée à Messac, bien sûr, et l'autre partie partait sur Guerre. Parce qu'à l'origine, les trains de marchandises partaient de Messac aussi, mais allaient jusqu'à Ploermel. Mais ne revenait pas à Messac. Il redescendait de Ploermel, il redescendait par la ligne de Questembert, la Brunière, et rejoignait Rennes. C'est-à-dire qu'il faisait la boucle. Et après, quand la partie a été fermée entre Guerre, Port-Carreau, Augan et Ploermel, là, en ce moment-là, les trains n'allaient plus que qu'à Guerre. Ouais. Et ils montaient à Guerre et en train de marchandises et revenaient en train de marchandises également. Alors la gare de Messac, c'était une grosse gare, hein, parce que c'était une gare de croisement. Parce que ça croisait Rennes-Redon, Quimper, mais ça croisait Châteaubriant, Bain-de-Bretagne, Messac, Guerre, Ploermel. La gare de Messac, à cette époque-là, moi je l'ai connue avec sa bibliothèque. Les journaux, les marchandes de journaux, et j'ai connu tout ça. Dans les années 47, 48, 49, 50, même en 50, même jusqu'en 52, 53, avec les trains d'ouvriers qui montaient sur Rennes en ce moment-là, qui étaient avec des voitures 3e classe, des 2e et 3e classe, dont les compartiments étaient séparés. Et donc, comme c'était une gare de correspondance, les gens achetaient, la bibliothèque, c'était l'intérêt des bibliothèques, c'était de rendre service aux gens qui voyageaient en ce moment-là par le train. D'accord. Et comme le train mettait des heures et des heures pour parcourir, parce que la gare de Messac, la ligne de Rennes-Redon, a été mise en double voie qu'en 1913. Avant, elle était en simple voie. Et cette ligne a été construite par le réseau État. À partir de 1863, 62-63, et elle a été mise en double voie qu'en 1913-14, pas avant. Hein. Alors le transport le plus important sur la ligne qui nous concerne, c'est-à-dire Messac-Guerre, mais Messac-Guerre, si elle n'avait pas été alimentée par d'autres lignes, il n'y aurait rien eu. Hein. C'est le fait que les minerais tirés sur la ligne de Châteaubriant, c'est-à-dire à Rouget, les minerais de fer étaient expédiés sur Hennebont, les forges d'Hennebont, donc transitaient par Messac. Et c'était un très très gros tonnage. Il y avait ce qui était important aussi, c'était les pommes. La gare de Messac recevait je ne sais pas combien de milliers de tonnes de pommes par an. Moi j'ai connu des trains entiers qui venaient de. Le dernier d'ailleurs, il est venu de Pologne. Il a été 3 semaines en gare de Messac avant d'être déchargé, donc les pommes n'avaient plus d'intérêt, puisque ça, c'était pour la fermière. Oui, pour la cidrerie. La cidrerie. Cornic, qui était en face de la gare où il y a Cosmos. Cornic recevait aussi des pommes, et il y avait la confiturerie Lorrain. Tout ça, toutes les pommes arrivaient là, mais elles arrivaient de partout, pas uniquement que de Messac. Et sur la ligne de Messac à Guerre, c'est-à-dire Pipriac, Mort-de-Bretagne et Guerre, oui. Ça c'est surtout Alors, Pipriac c'était le bois, l'Oisance, qui expédiait énormément de bois.
Mort de Bretagne, bon, c'était une gare quelconque. Il n'y avait pas de trafic à part les pommes, les produits agricoles, choses comme ça. Par contre, Guerre, c'était une gare militaire. C'était la gare de Coquilan. Ouais. Et il y avait des trains spécifiques à certaines époques de l'année qui étaient les trains de génie. Tous les trains de génie montaient parce que tout était transporté par le fer en ce moment-là. Il y avait des trains complets de matériel pour l'exercice, pour l'école de Saint-Cyr, qui transitait par Messac. Tout ça, pensez-le. Avant le 14 juillet, les défilés du 14 juillet, les trains étaient formés en gare de guerre, descendaient par Messac pour rejoindre Paris. Avec les chevaux, les voitures voyageurs, avec les militaires dedans, je me rappelle de ça, moi. Très, très bien. C'était d'ailleurs assez impressionnant parce que, comme on n'avait pas l'habitude de voir des trains de voyageurs passer là, puisque c'était fermé aux voyageurs en 1938, donc on était tout curieux de voir des trains militaires passer avec les voyageurs, enfin avec des voitures voyageurs, et puis bah, les militaires dedans, et le matériel, et les fourgons pour les chevaux. Oui, oui. Pour la garde républicaine, ils allaient à Paris pour les défiler. Ouais. Bon, voilà, ça c'était, moi c'est, je parle ça, c'est où je me rappelle bien, c'est les années 50. Par contre, dans les années, pendant la guerre, en 44, ils ont essayé de faire sauter le pont, les Anglais. Alors ils ont bombardé. Mais chaque fois qu'ils ont bombardé plusieurs fois, d'ailleurs nous on n'est pas restés parce qu'on a été obligés de partir, et puis réfugiés chez ma grand-mère à bord. Il s'appelle comment ? Le Copessi. Et l'abbé qui s'occupait de la chapelle habitait dans le village, dans une maison par là. Ça me souvenir quand on l'aperçoit là-bas. Donc les gens du village venaient se ravitailler en eau et le passage. Ici, c'était un passage maçonné. Hein. C'était fait pour que les gens puissent passer là. Ça, c'était le pont qui était de l'autre côté. Et la fontaine était là. Mais maintenant, c'est une propriété privée. La fontaine, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Je pense que comme du fait qu'il y ait de l'eau ici en permanence, la fontaine était là. L'endroit exact, je ne sais pas. Alors ici, je me rappelle très bien qu'il y avait ce sentier qui était très fréquenté parce que les gens venaient chercher l'eau, y compris nous, qu'on habitait complètement sur le haut de la colline, là-bas. Et les souvenirs que j'en ai, c'est par ma mère, qui m'avait indiqué là où était le trou, qu'on ne voyait plus bien sûr, où était enterré un bidon de 200 litres d'essence, où la résistance avec leur voiture venait récupérer. Et mon père récupérait ça, lui, avec des copains qui étaient à guerre et qui de l'essence qui sortait du camp de Coquilan et qui était mis dans ce bidon. En passant avec sa machine, il laissait les bidons là et puis après, voilà. Et après, les résistants venaient faire leur plein dans cette réserve. Le train, à l'époque, bah, il transportait toutes les marchandises et surtout pour l'armée, puisque l'armée allemande, bien sûr, utilisait la gare de Rennes de guerre, qui était une très grande gare militaire, puisque comme Coquilan, ça touche. D'accord. Alors toutes les marchandises, et puis pour tout, hein, les marchandises pour tout le monde, mais surtout pour l'armée, qui était à guerre à ce moment-là dans le camp et à Coquilan. Voilà la maison de ma grand-mère, où on était réfugiés pendant la guerre, du moins à partir de, je ne me rappelle plus, peut-être 43 ou 44, jusqu'à la fin de la guerre. Alors, ma mère, ma sœur, moi, et deux Parisiens, Lucien et
Guy. C'était les Parisiens. Et on vivait là. Alors ici, là où les pierres sont apparentes, parce qu'avant c'était du torchis qui venait jusque-là, mais il y avait une porte ici, parce que ça faisait café et épicerie. Du fait que tout autour, ici, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien du tout. Et puis, Mort, c'est quand même assez loin d'ici. Et le Yac aussi. Alors donc, il fallait bien que les gens, ils venaient s'approvisionner ici. Alors le dimanche, c'était assez bizarre, mais tous les gens du coin venaient à la messe ici et faisaient leurs courses en même temps. Voilà. Et puis ça marchait bien comme ça. À la place de la porte. Hein. Et alors quand on voit, on vivait là-dedans. Hein. Ah oui, alors il y avait une porte là. Ici il y avait une porte, la petite fenêtre devait exister je pense. On était tous fourrés là-dedans. Il y avait le poulailler qui était là. Ça c'est une petite cave et ici il y avait le poulailler, il y avait du nourrir. Ouais bah c'est... C'était pour nous, on avait 4-5 ans, ma sœur un peu plus et mes cousins un peu plus, mais on était heureux ici, nous. Heureux, de courant de rien du tout, et tout allait bien. Ah, là ça c'est bon, ça c'est bon, au moins là c'est conservé, maintenant on a l'habitude de tout casser et puis de voir autre chose. Mais non, c'est très bien comme ça. Il y a des gens dévoués qui font des choses comme ça. Dans le petit village de Compessy, à proximité d'un if centenaire, se dresse la chapelle des Domaines. Elle s'appelait autrefois la chapelle de l'abbé Maria. Elle fut bâtie en 1754 sur les terres de la fondation de l'abbé Maria. Éclatante de sobriété, elle est entretenue avec soin. Et même on venait après la guerre, en 46 peut-être, je m'en souviens pas, on venait régulièrement voir ma grand-mère. Mais on venait en vélo, forcément. Voilà. On n'avait pas de moyen de transport hein, que le vélo. Donc en définitive, ton papa, lui, était sur les trains, mais était dans la résistance. Oui. Alors, la période qu'on a passée ici, moi, j'ai jamais vu mon père ici. Il n'est jamais là. Alors, je ne sais même pas où il était, d'ailleurs. Ma mère savait peut-être, elle, je ne sais pas. Alors, comme Messac, dans cette période-là, Messac, c'était
C'était la gare qui était visée, forcément, hein, puisqu'il y avait eu déjà un gros problème avec la résistance qui avait attaqué un train d'essence. Alors, et puis alors qu'ils essayaient de bombarder, sans réussir d'ailleurs à faire sauter le pont de Ploermel, qui était juste derrière chez moi, il n'y avait rien de rassurant. Donc la décision a été prise de venir ici, chez ma grand-mère. Et on est resté jusqu'à la libération, quoi, quand les Américains sont passés. Ouais, ouais. Et puis que le secteur était tranquille, après on est retourné à Messac. Et à Messac, évidemment, ma mère, quand on est revenu, la maison avait perdu une porte, les carreaux étaient barrés, et puis des choses comme ça. Donc nous, quand on était ici, on était les rois. Oui, on n'était au courant de rien du tout, tout se passait bien. Voilà, c'était cette période. En définitive, quoi, lorsqu'on reparle de ces souvenirs d'enfance, on renvoie les années passées, etc. Oui. Je crois que de toute façon, c'est en parlant que ça viennent revient, les souvenirs. Que ça revient, parce que j'avais donc un cousin qui était beaucoup plus âgé, lui, parisien, qui s'appelait Lucien Leclerc, et son frère, c'était même son demi-frère, qui s'appelle Guy. Mais Lucien, lui, il était dans la résistance. Il était à Saint-Marcel. Et je me souviens, une fois, il est arrivé ici, en vélo sans doute, en militaire. Parce que nous, on ne voyait pas de militaire ici, on ne voyait rien. Et il est arrivé ici avec sa tenue militaire. Et après, j'ai su qu'après, qu'il était à Saint-Marcel, dans les commandos de Saint-Marcel, enfin là. Là où ils étaient tous, où il y a eu le fameux massacre. Bon ben François, merci. Eh ben écoute... Il y a encore beaucoup de choses à raconter. Ici non, c'est fini là. Maintenant au port de Messac, maintenant ici non, c'est bon. C'est bon. Ah oui. On peut considérer qu'on a fait le tour. Voilà, ici là. Le tour du propriétaire. Ah oui, ouais. Des bons souvenirs ici. Eh ben c'est parfait. Ah, ouais. Merci. Alors nous sommes sur le pont de guerre. La ligne c'est de guerre, et on appelait le pont de Ploermel. C'est un pont métallique. D'ailleurs, on peut voir encore les pancartes. Enfin, mais dans cette période-là que je te dis, là, du fait que j'habitais tout de suite à côté, et le pont était mitraillé quand même assez couramment, ils l'ont mitraillé à plusieurs reprises, mais ils n'ont jamais réussi à faire beaucoup de dégâts. Hein. Par contre, on a des emplacements ici là, qu'on va pouvoir voir tout à l'heure, là où les balles perforantes ont défoncé les armatures. Et la voie qui était ici, les rails étaient aussi transpercés. Hein. Ah, ben là, il n'y a plus de témoignages puisqu'ils ont tout enlevé, hein, c'est fini ça. Mais voilà. Donc le pont là, il n'est pas venu entier, hein. Il est venu par éléments, par wagon, qui était déchargé. Et l'entreprise, on va voir d'ailleurs s'il reste là-bas la plaque. C'est un chef-d'œuvre. Tu m'as dit qu'il faisait 97 mètres. Il fait 97 mètres et en plus il n'est pas horizontal. C'est-à-dire que la partie haute est côté Guibry et la partie basse côté Messac. C'est-à-dire qu'il épouse la... L'inclinaison de la ligne qui est de. C'est du 17 pour 1000, 17 mètres pour 1 km l'inclinaison. Et le pont est construit fonction de la rampe. Ça s'appelle une rampe. Tout ce qui monte en SNCF, c'est rampe. Tout ce qui tourne, c'est une courbe et non pas un virage. Alors, sur la voie verte qui est ici maintenant en remplacement du pont, ouais. Est-ce que tu as des éléments qui permettent de pouvoir parler? Enfin, ce fameux essai de voie touristique. Ah oui, là voilà. Il y avait un beau projet qui avait été initié par une personne de Pipriac. L'idée était bonne, mais le projet était trop coûteux, à mon avis, déjà. Ça ne pouvait pas
probablement pas aboutir. Si on avait eu la chance d'être aidé par une autre association ou par une... Ou par les communes, raison peut-être. Quelconque, les communes, les comités de communes n'existaient peut-être pas, oui. Mais ça aurait peut-être été au bout. Mais l'intérêt de la ligne n'avait pas de valeur. Elle n'avait pas de valeur touristique. Parce que à part ici, ça n'a pas d'intérêt. Mm-hmm. La ligne n'a pas d'intérêt. Quand on va sur Luron et puis qu'on va sur Maure de Bretagne, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à voir. Alors le projet de cette ligne était... Ouais, c'était ambitieux. C'était ambitieux, mais financièrement, c'était compliqué. Oui. Faut admettre. Et l'intérêt de la ligne n'a pas d'intérêt. Ça porte pas... En plus, sur Maure de Bretagne, il n'y a rien. Il n'y avait qu'éventuellement l'Oyac, le manoir de Deauville. Mais autrement, donc, c'était pas... Il n'y avait rien... Donc, au point de vue touristique, ça n'aurait pas apporté grand monde. Non, non. Ici, voilà. En touristique, il n'y a rien. Si l'association n'est pas propriétaire de la ligne, qu'elle est encore RFF ou SNCF, c'est foutu d'avance. Il y avait une voie ferrée qui était... Ça a été remblayé depuis, bien sûr. Bien sûr. Mais il y avait une voie ferrée qui longeait ces deux silos et qui allait relier la ligne Calais à Guerre, là. Donc, il y avait eu deux wagons d'amener, deux wagons citernes qui étaient prévus en remplissage. Et ici, il y avait un butoir, bien entendu, pour éviter que les wagons aillent plus loin. Et c'était en février 47. La veille, il avait été amené deux wagons citernes, des grands wagons US, et l'aiguillage n'a pas été refait. Alors le lendemain matin, le train qui montait sur Guerre à 6h30, avec une locomotive et puis un gros train, avec une 140, et le chauffeur, c'était Marcel Renoux. Le fait que l'aiguille n'avait pas été refaite la veille, correctement, le train est rentré dans l'usine. Il y avait un énorme portail en bois de l'autre bout, là-bas, qui a été forcément écrasé. Et ils sont rentrés là, et quand ils se sont rendus compte qu'ils rentraient dans une usine, ils ne pouvaient plus rien faire. Hein. Donc, résultat, c'est que... Les wagons se sont fait tamponner. Il y en a un qui est tombé là, ici. Parce que moi j'habitais ici à la place de ce hangar qui a été construit, de bien après. Donc un des wagons citernes, parce que c'était des citernes qui étaient prévues au remplissage pour de l'alcool. Il y en a un qui est arrivé là, qui était à cheval sur la route là. Et ici, autrefois, il y avait un petit poulailler là. À une voisine qui s'appelait Madame Olnette. Et le deuxième, lui, il a été projeté dans le mur, là-bas, de la maison qui est en face, là. Et la locomotive a continué son chemin. Et la locomotive, elle, s'est enterrée ici, là. Et les roues étaient à pendre, là, les roues avant de la machine, ce qu'on appelle le bissel, étaient restées à pendre sur le talus, là. Alors ça, c'était l'anecdote. Alors, résultat, c'est que lorsque la machine est venue se bloquer sur la route, les wagons qui étaient derrière se sont empilés les uns dans les autres. Alors, il y avait tout dans ce train. Il y avait des bestiaux, il y avait de tout, il y avait du vin, il y avait de tout un petit peu, surtout pour le camp de Coquillan. Donc ici, là, c'était pitoyable ce qui s'est passé. Ensuite, quand a fallu renlever ce bazar, les wagons, et y compris surtout la locomotive, il y a une grosse grue qui est venue de Rennes, rue SNCF. Et là, il y a eu un accident. La grue a eu un souci de câble ou de poulie en haut de la flèche. Si bien que un des cheminots est monté sur la flèche pour voir ce qui se passait. Il a glissé et il est tombé dans un silo. Et puis en ce moment-là, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de pommes dans les silos, donc il s'est tué là. Et après, il a été ramassé tout de suite, il a été secouru tout de suite. Et puis il l'a emmené dans cette maison-là, qui était un cheminot en retraite qui s'appelait Monsieur Gourdel. Et là, ma foi, bon, il est mort là. Voilà le récit
cette fausse manœuvre d'aiguillage. Le plus désastreux dans l'histoire aussi, c'est qu'il y a eu un gars qui est décédé. Mm-hmm. C'était une grune 80 tonnes qui est venue relever cette locomotive qui était là. Parce que c'était une locomotive, c'était une 140C. C'était déjà une grosse machine, hein, c'était une 1200 chevaux. Donc c'était une machine assez conséquente déjà. Parce que la ligne ici, à partir de Messac, pour aller jusqu'à la halle de Guipry, la ligne est très dure. Elle monte sur... c'est une rampe de 17 pour 1000 et elle monte sur 1700 mètres, ou 1800 mètres, ou 2 km. Alors donc les trains, il faut bien comprendre que ce train qui était lourd là, quand il est parti de la gare de Messac, les gars, les chauffeurs et mécaniciens, ils mettaient toute la pression, maxi, pour pouvoir monter ici, parce qu'en plus c'est en courbe là. Donc ils mettaient la pression, alors forcément quand ils sont rentrés dans l'usine, ils ne pouvaient plus rien faire, hein, et c'était trop tard. Hein. Mmh. Et c'est même étonnant qu'il n'y a eu qu'un mort. Parce que normalement, le mécanicien ou le chauffeur, ils auraient pu être tués dans la machine. Voilà. Bouleversant la vie locale, un terrible accident eut lieu le 15 juin 1989. Un wagon fou, au passage à niveau, prit en écharpe une voiture en provenance de Guipry. Voilà comment s'est passé l'accident du passage à niveau au port de Messac. C'est un wagon, enfin il y avait eu plusieurs wagons déjà de mis sur cette voie, et le dernier wagon, ou l'avant-dernier wagon, avait été calé et freiné juste auprès du passage à niveau de la Roche des Bouillons, qui est ici. Et donc la machine est redescendue en gare pour récupérer un deuxième wagon qui arrivait plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas conservé son air, il s'est vidé en air. Toujours est-il que le wagon est parti à ce qu'on appelle à la dérive. Et comme cette partie de l'île est en rampe de 17 pour 1000, c'est-à-dire que là, il a pris de l'élan, parce que ce wagon, c'est un wagon chargé de traverse qui devait faire 70 tonnes. Il est parti à la dérive, il a pris de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Et alors là, évidemment, il est peut-être arrivé ici à 70, peut-être plus, on n'en sait rien. Toujours est-il que ici, le passage à niveau était ouvert, du fait que cette ligne-là était neutralisée, oui, c'est-à-dire que sans signalisation, sans annonce de passage à niveau, donc les barrières étaient ouvertes. Il est arrivé une voiture ici qui c'était une R18. Le wagon est arrivé comme par hasard au même moment. Il a pris la voiture en plein travers, qu'il a emmené ensuite jusqu'en gare. Parce que là, entre le passage à niveau et le premier aiguillage, il y a environ 200 mètres. Ça n'a pas empêché le wagon d'avancer. Il a roulé comme s'il n'y a rien avait. Et alors là, le wagon s'est coincé, évidemment, dans les aiguillages. Le wagon a monté partiellement sur la voiture, écrasé la voiture, qui a pris feu d'ailleurs. Et là, il n'y avait plus rien à faire. Hein. Le pauvre gars, il a été tué dedans. Et il s'est trouvé que ma femme, qui était elle au bureau en ce moment-là, avait prévenu le docteur Grenier, qui lui est venu, mais bon, effectivement, c'était fini. Alors ça, c'est une anecdote de cette ligne-là. Ça a été d'ailleurs le dernier problème qu'il y a eu, puisque après, elle a été fermée définitivement. Voilà, ça, c'est encore une autre anecdote des incidents. Ah oui, oui. Ben, je me rappelle comme si c'était hier. De tout ça d'ailleurs. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, si c'est l'âge qui fait que ça revient. Et ça revient surtout en parlant. Oui, oui, c'est vrai, oui. Parce que le résultat, que quand on ne parle pas, qu'on ne se concerte pas, on oublie. Oui, oui. Tout fini. On finit, oui, oui. C'est comme le savoir-faire. Le gars qui est tourneur, fraiseur, des gars qui étaient des pointus du tour et de la fraiseuse, ou des choses comme ça en ajustage.